Bonjour à toutes les broudines, bonjour à tous les broudeurs. Nous voici aujourd'hui sur Returnals. Apparemment, c'est le jeu le plus dur de l'univers. Tu peux pas retourner dans Returnals. Donc si je canne, je canne. On me dit que si je canne, je canne. Comme dans la vraie vie, quoi. Je sens que je vais rager. Bon, découverte. Un petit côté interstellar pour l'instant. Interstellar alien. Prometheus aussi. Prépare-toi à souffrir. Non, je pense que je vais réussir. Je pense que je vais finir le jeu ce soir. Oh! Déjà, je suis dans la sauce. J'ai pas commencé le jeu, je suis déjà dans la sauce. Mayday, mayday, mayday. Carglass, carglass, j'ai un trou dans mon pare-brise. Elgato qui a souffert un moment, oui bah, le jeu est réaliste. Hein. Ça va, j'ai survécu. Ici c'est l'aide. Ah, c'est en français? Je me suis écrasé sur un propos. Pourquoi j'ai mis les sous-titres alors? Pas Elios. C'est qui Elios? Ma combinaison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je laisse le canal ouvert. Attends, mais L pour déplacer, R pour regarder autour de vous. R c'est quoi? Ok, et R. Ok, je dash comme ça. Attends, mais pourquoi ma manette elle arrête pas de vibrer là? Ça m'inquiète là. Oh! Je peux jumper! Oh, je peux dash! Ok, trop bien. Ok. Oh! J'abandonne Elios. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche. Enquêter sur la source de signal. Sauter. Putain, j'ai failli mourir là. Le jeu a l'air bien maniable. Hein. Attends. Attends, est-ce qu'on peut sauter et dash? Quoi? Non, non. Attends. Attends, j'étais pas prêt, putain. Attends, mais attends. Attends, ils m'ont TP en arrière. Attends. Attends, pourquoi je saigne là? Pourquoi c'est rouge? Je comprends pas ce qui se passe. Non mais attends, mais il faut qu'ils annoncent. Je suis sur PS5. Attends, le jeu est sorti sur PC aussi. Cette forêt est remplie de ruines d'une civilisation extraterrestre. Des murs, fondations et statues antiques. Et surtout des trous. Précise. Précise qu'il y a des trous, frère. Il y a des trous aussi, il n'y a pas que des statues, il y a des trucs antiques. Attends, il me reste un PV? Mais comment ça? Mais quand tu meurs, tu récupères pas ta vie? Non mais je vais mourir H24 là. Est-ce que je suppose?
Attendez, faut que je me concentre, C'est une exclu PS5? Ah mais faut... Ah, une arme. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur Astra. Ah, ça c'est moi ça. Identification en cours. C'est... C'est moi? Comment ça c'est moi? Bergamo, c'est trop. Attends, c'est moi qui viens de mourir? Ah, c'est bon, j'ai trouvé un. Ça s'appelle comment l'arme dans. Tu sais, sur. Sur Nintendo? Attends, L2 à moitié enfoncé pour lancer la visée. Et R2 pour tirer. Rassurez-moi, on a les balles illimitées quand même dans ce jeu. Ok. Putain, il me reste un trait là. Ah ok, c'est des missions illimitées, ça va. Alimente. Prendre. Et alors? Non, je vérifie mon arme si elle fonctionne bien. Non, au cas où, parce que bon, si je dois affronter des ennemis... Alors, par où qu'il faut aller? Jump, dash. Je peux pas sauter là? Ouais, c'est ça, la NES Zapper. Comment je fais pour sauter là? Ah ouais, faut que je repasse par là. Ah là, faut que je regarde la map. Comment je fais pour monter là? Je suis déjà bloqué, les gars. Ah non, c'est bon, j'arrive. Je suis bloqué au début du jeu, les gars. La porte, elle veut pas s'ouvrir. Et sur les ennemis, là. J'ai envie de tester mon arme. Oh, il y a encore des trous. Putain, ça c'est chaud, ça. Attends. Je sens que je vais encore tomber. Non. Jamais trois fois. Ah, mais attends. Eh, je sais pas. Je suis déjà passé par là, non? Attends, je comprends pas là. Non, y a pas le double jump. Oh putain, je vais mourir. Attends, je comprends pas là. Oh putain de merde. Putain, j'ai peur de mourir dans mon monde. Mais cours trop vite. Ah, avance doucement, wesh. Tu vois pas qu'il y a des trous là? Ah non, c'est bon. Ah oui, j'ai fait le... Putain, quel casse, je suis revenu au point de départ. Putain. Mais les gars, après... Concentrez-vous, là. Ne pas tomber. Je crois que j'ai jamais finir ce jeu, les gars. Je suis déjà bloqué au début du jeu. Mais attends, mais comment j'ai fait pour descendre? Ah ok, je viens de comprendre. Mais je peux pas passer par là. Ah mais fallait me le dire, je pouvais péter des trucs. État. Équipement.
Putain, les mecs sont capables d'envoyer des gens sur des planètes éloignées. Et leur interface, on dirait du Minitel, tu vois. Et ils se foutent pas de la gueule du monde, là? Ah. De la vie. Oh shit. Oh shit. J'ai découvert une ressource potentielle. Elle peut servir aux réparations de la combinaison. Classification, Silphium. Silphium, ok. Stium. Ok. Ah, je vois mieux déjà. Ah ouais, je voyais pas à cause de la... du rouge. J'avais perdu trop de PV. Eh ben, j'avoue que viser à la manette, ça va être un peu... ça va être un peu galère, hein. Nécessité d'une clé? Non, commencez pas à me sortir des histoires de clés et d'ascenseurs à activer. Oh shit! Je vais me faire agresser par des plantes. Ah, le début des sauces. Le début de la sauce. Oh! Oh! Mais c'est violent, wesh! Attends, ils sont gentils. Espèce opportuniste. Oh, ah, c'est quoi ça? Attends, c'est... il m'envoie des boules qui. Attends, mais bah. Mes balles sont à tête chercheuse ou quoi? Espèce hostile abattue. Attends, mais je visais à côté, ça a touché quand même. Moi, c'est bien ça. J'aime beaucoup. Attends, didacticiel. C'est quoi le didacticiel? J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début de l'écoute. Journal de reconnaissance. Atropos. Dans pour l'instant, c'est facile. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens... Selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Ah. Oh. Je me rappelle pas avoir enregistré ça. Hein? Oh. Vas-y. Attends, mes balles rebondissent. Ah, il faut prévenir, les gars. Stiou. Bon. Il me faut de l'armure. Ah, j'ai trouvé une clé. C'est bon, les gars, je peux ouvrir une porte. Nul, nul. C'est une barrière. Ah, je peux péter des trucs. Alors j'imagine que le dash a des frames d'invincibilité ou pas? Ou est-ce que je l'ai dans l'os? Par contre le tutoriel, c'est dommage, ils expliquent pas plus que ça. Genre ils pourraient m'expliquer combien de frames d'invincibilité j'ai, tu vois, comme ça je peux anticiper les attaques, je fais hop là. Appuyez rond pour effectuer une ruée, maintenez rond pour une ruée plus longue. Utilisez la rue lorsque vous êtes dans les airs pour éviter des longs sauts. Là, vous êtes... Ah, vous êtes invulnérable au danger et à la plupart des attaques ennemies. Ah, mais fallait me le dire ça. Piou. Ok, d'accord. Putain, j'ai peur de tomber là. Coup. Ah, ça marche. Appuie sur. Pour voir les tutoriels vidéo. Contre les dégâts de la plupart des attaques ennemies. Nouveau, adrénaline.
qui se cumulent aux autres. À chaque fois que vous aimez 3 ennemis. Ok, intéressant ça. Putain, j'ai même pas eu. Aide à la visée, sprinter, ok, vidéo. Qu'est-ce que je peux changer? On peut pas mettre un HDR? Ok, bon, tant pis. Je sais que c'était gratuit, mais. Ah! Attends. Système de sécurité découvert. Je meurs si je touche ou pas? Ouais, je pense que je vais mourir. Non, ça fait rien du tout. Faut que j'aille là-bas. Là-bas ou tout droit? J'imagine que si je tombe de là, je meurs, ouais. Bon, par contre, ça plaît beaucoup là. Super jump! Hop là! Oh! Est-ce que je peux dasher dessus? Ah mais voilà! Il fallait le dire, je pouvais dasher. Dash 2 en 1 les gars. Sur ça. Oh là là là, on commence. Bah si je sais que j'ai des frames d'invincibilité, je vais en profiter les gars. Youn youn. Gauche ou droite? Oh, une arme secrète. Ouvre des portes et conteneurs sécurisés. Attends, mais du coup, quel est l'intérêt de prendre ça? Et quoi? Attends, j'ai un malus là? Indiqué en haut à gauche de l'écran. Ramasser des obolites? C'est quoi des obolites? Ah, ok, c'est ça. Attends, carrément, t'as des objets avec des malus? Putain, je suis au début du jeu. Les mecs, ils me foutent des malus. Ah, attends, il y a un truc là. On va voir des vrais bergamots, les amis. Y'a pas un truc à récupérer, hein? Ah. Ça, je prends. Des ennemis? Ah non. Par contre, le cooldown du dash, il est où? Ah ok, c'est un tout petit, ok. Zoom. Oh. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que ça allait exploser. Ah ok, c'est fermé. Ah, c'est quoi ça? Non. C'est tout? Attends, il m'agresse ou pas là?
Ah non. Oh, ça fait des chatouilles. Oh, c'est agréable. Bon, pas tout ça, mais... Je dois me casser de ce niveau de fou, là. Oh! J'ai découvert des corps d'une espèce extraterrestre. On dirait Prométhée Mouse. Il doit s'agir des architectes de ces ruines. Architecte? Bah, c'est architecte. Peut-être eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. Prométhéeus? On est dedans, hein? Imagine à la fin, on te dit. T'as le logo de Alien qui apparaît. Oh! Oh, il y avait un secret ici. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont morts de manière un peu... Ils sont pas morts de mort naturelle, je pense, à première vue. Ah. Non. C'était où? C'est quoi ça? On a des reconnaissances. C'est impossible. J'ai tout essayé. Je suis systématiquement ramené par... Il y a un moment entre la mort et la résurrection, quand des tentacules m'entraînent vers le fond. Je hurle. Je me noie. Je reviens. C'est pas très rassurant ce qu'il raconte quand même. Showtime, exactement, ça commence comme un animé un peu particulier, tu vois. Non mais en vrai, c'est vrai que si tu meurs, tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, je dois le refaire. Mais d'où? Oh, c'est un chien! Mais attends, mais même pas une annonce! Oh, mais. Je suis où? Oh, le chien! Mais attends, mais pas une annonce? Il m'a même pas dit bonjour! Oh putain de merde, je suis dans la sauce. Oh! Non, j'ai esquivé! Attends, le jeu se redémarre comme ça. Comment ça? Elios! Astra, ici Selene. J'ai survécu. C'est scénarisé, oui, je pense. Je suis dans mon vaisseau. Ma combinaison est opérationnelle et... J'ai déjà vécu ça auparavant. Attends, c'est scénarisé là, ou pas là? Parce que pour un écran de Game Over, je trouve ça, pas mal. C'est bien. Ah, on va faire une sieste. Je crois que j'ai besoin de sommeil. Non, je crois que c'est bon, les gars.
Non, c'est ça mes rêves. Mais c'est dégueulasse. Ah. Bon, quelle idée de voyager dans l'espace tout seul aussi, quoi. Parce que là... Ah non, regardez, j'ai toujours mon flingue. Je suis pas mort. Vous retournez les évoquer écrasés sans les armes. Quoi? Mais si, tu m'en armes, là. Ah ouais, je refais vraiment le début. L'environnement ne ressemblait pas à ça avant. Ah ouais, c'est pas bon. Ah mais c'est fou quand même. En plus la musique elle est hardcore ça. Ah, je viens de comprendre un truc. Ah ok, j'appuie R2 quand ça recharge, pour recharger plus vite. Ah. Quoi? Quoi? Non mais je suis mort là. Ok, je suis mort en fait. Il y a des trous partout dans ce jeu. Non mais ils sont sérieux là. Ah mais je peux grimper quand même. Attends mais il meurt dans le... Non mais ça, fallait dire qu'on mourait dans l'eau. Non mais attends, mais on meurt pour rien dans ce... on meurt pour rien. Attends, mais moi je savais pas nager. Attends, mais le niveau a changé là. Un peu de maîtrise d'armes. Ah, ça fait plaisir, frère. Ok, faut que je fasse attention au précipice en fait. Putain, ouais, c'est chaud quand même. Putain, je meurs pour rien dans ce jeu. Attends. Est-ce que je tente d'aller récupérer. Attends. Alors. Je me rappelle que dans Resident Evil, des gens sont morts pour ça. Si, ça va le faire. Le dash. Oh putain. Oh là là. Ok, maintenant surtout pas surtout ne pas tomber. Oh putain, ça va être chaud. Putain, j'ai peur les gars. Oh là là là, il y a un trou. C'est bon. Putain, il y a des trous. J'ai pas envie de tomber. Mais non! Le crash.
Encore. Astra. Ils ne m'entendent pas. En fait, ça... Je suis seule. On dirait un jour sans fin. Ah. Est-ce que la forêt s'adapte? Est-ce que la forêt a pitié de moi? Attends, je connais cet endroit, je l'ai fait, cela. Là, il y a un secret, là. Ah non. Fini les secrets. C'est bon, je connais. Tir secondaire aux armes. Technologie découverte. Elle améliore mon arme grâce à un mécanisme de tir secondaire. Appuyez L2 pour concentrer la visée. Quoi? L2? Oh! C'est très efficace. Ça va m'être utile. Ah bah de ouf! Ah ok d'accord, ah oui ça met longtemps par contre à charger. Ok. Égaté. C'est bon je maîtrise les amis. Oh shit. Enfin, je maîtrise. C'est un grand mot quand même. Attends, c'est un précipice là? Technologie nanorocyte, quoi? Xéno-technologie? Non, c'est quoi la xéno? Xéno comme le... Comme Xéno? Ah, faut pas tomber dans les trous. Ça suffit ces conneries. Bon, le jeu est très beau, mais... J'en ai marre de mourir, quoi. Calibrateur cassé. Ah, attends. Un coffre. Oh! Attends, quoi? Et c'est un tracker? Changer d'arme? Canoncier nouveau? Missile téléguidé 40%? Non. Canoncier, c'est meilleur que missile téléguidé? Non. Je préfère... Non, je préfère garder ce que j'ai. Y'a un truc à grailler là. Putain, il faut vraiment avancer doucement là. Je crois que j'ai arrêté de courir là. Je sais pas, moi le truc rouge me paraît dangereux. Clé apatite. Est-ce que je peux sauter par là? Ah, j'ai peur de mourir là. Attends, on va tenter quand même. Si ça passe. C'est dommage qu'elle a pas le double dash. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, tu vois. Je suis un vandale. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une sauvegarde. Oh! Ça, c'est bueno!
Mais il faut lui donner ça tout de suite. Récupération d'une arme extraterrestre qui ressemble à nos carabines. Ouf. Attends. Tir secondaire n'est-ce pas des attributs. Les attributs sont initialement verrouillés et c'est déverrouillé à force d'utiliser l'arme. Ah. Négatif. Ok. Attends. Comment je fais pour changer d'arme ? Mon arme principale était bien là. Intéressant. Boum! J'ai découvert un énorme mur derrière lequel se trouve le signal de l'ombre blanche. Je ne peux pas franchir le gouffre. Pour le moment, je vais enquêter sur le relevé énergétique qui provient de la forêt. Journal de reconnaissance Atropos. Qui a activé la diffusion? Tu as vu l'ombre blanche. Ne devrait être connue que de moi. Et maintenant, je l'entends à nouveau, sortie de nulle part. Les sentients sont-ils impliqués? Mais comment aurait-il pu savoir? Je dois espérer trouver des réponses au signal. Putain, c'est quoi le xénomorphe que je dois récupérer là? Ah, ça ressemble à un ennemi ça. Ah non. Oh! Ils sont arrivés sans crier gare. Oh, c'est pas fini. Voilà. Il est où? Putain, mais ils sont combien là? Boum! Sale chien. Fou! Excusez-moi, hein. C'est l'euphorie d'avoir bien joué. Ça arrivera pas tous les jours. Hein. Stwiss. Par contre, est-ce que, comment on fait pour switcher d'armes?
Sale Bergamo, je veux dire, oui. Et ça, c'est quoi, ça? Ça te ramasse? Non, je sais pas ce que c'est. C'est pas hostile, c'est pas gentil, on sait pas ce que c'est. Calibrateur cassé. Putain, la manette elle arrête pas de vibrer pour tout et rien, quoi. J'ai interagi avec d'autres versions de moi-même. Mais je crains un jour de revivre ces interactions de leur perspective. Sont-elles vraiment moi? Ou simplement des corps vides? Attends, c'est un truc de ouf. Objectif mis à jour. Ok. Bon, pour ce premier épisode qu'on va reposter sur YouTube, bah pour l'instant, c'est intrigant, c'est pas facile, mais c'est intrigant. On va continuer, mais c'est intrigant. Moi, je veux savoir ce qui se passe. En tout cas, le jeu est sympa, très fluide, très maniable, etc. Très fun. L'ambiance est très sympa, mais. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas le jeu que t'offrais ta grand-mère, par exemple. Ta grand-mère va dire, t'es sérieux là? Tu seras privé d'argent de poche pour Noël. Bon, sur ce, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Voilà.